Pretty Mike choque la toile aux obsèques de la mère de Don Jazzy. Pour les obsèques de la mère de Don Jazzy, Pretty Mike débarque avec un groupe de jeunes filles aux accoutrements surprenants. Ce style vestimentaire n'a pas été apprécié par les internautes qui crient au manque de respect. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur @web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. C'est un fait assez surprenant qui s'est produit hier au Nigeria. À l'occasion de l'enterrement de la mère de l'artiste nigérian Don Jazzy, le célèbre influenceur et homme d'affaires Pretty Mike a fait une entrée assez surprenante. Vêtu du pagne prévu pour la cérémonie, il a été escorté par un groupe de jeunes dames aux tenues assez particulières. En effet, ces dernières avaient porté des tenues en forme de pénis gonflable. Ces accoutrements ne semblaient pas gêner les personnes présentes aux funérailles. Dans une vidéo devenue virale, on peut voir l'influenceur entrer avec son escorte composée essentiellement de filles. Les internautes qui ont vécu la scène via les réseaux sociaux ont exprimé leur mécontentement face à cet accoutrement qu'ils jugent être un grand manque de respect à la mémoire de la mère de Don Jazzy. C'est en juillet dernier que l'artiste a annoncé le décès de sa mère. Alors que personne ne s'y attendait, le vétéran de la musique nigériane a annoncé le 22 juillet sur Instagram le départ définitif de sa génitrice. Cette nuit, l'artiste avait publié un post émouvant sur son compte Instagram. J'ai perdu ma douce maman ce matin. La matriarche de notre famille. Mon supporter et ma colonne vertébrale. Je suis plus que dévasté. Je n'ai jamais ressenti une telle douleur de ma vie, mais je suis consolé par la belle vie qu'elle a vécue. Elle était aimée de tous ceux qui l'ont rencontrée. Elle était si forte jusqu'à la dernière minute pour nous, même lorsqu'elle luttait contre le cancer. A écrit Don Jazzy. Il a profité de sa publication pour exhorter ses fans à se joindre à sa famille dans la prière pendant cette phase difficile de leur vie en intercédant pour le repos paisible de sa très chère mère. Je n'ai jamais tapé une légende plus difficile de ma vie. Veuillez prier pour que l'âme de notre maman repose en paix et pour que mon père, mes frères et sœurs, ses petits-enfants et toute notre famille supportent cette perte. De son vivant, Madame Ajray était une entrepreneuse de mode et de divertissement. Elle aimait sa famille plus que tout et ne manquait aucune occasion pour exprimer son affection maternelle. Pour les funérailles, plusieurs célébrités nigérianes étaient présentes, parmi lesquelles Corey DeBello, et bien d'autres encore.